Bonjour à tous, bienvenue sur Cochon Raté Sport. Allez, on va bien évidemment parler de Choupo-Moting et son absence sur la liste des 25 joueurs convoqués par Antonio Conseil Sao pour affronter le Cap Vert et le Vanda les 26 et 30 mars prochains. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les actualités du sport. On commence cette actualité sportive avec un mercato. Après la prestation remarquée lors du Champ 2020, Martin Asomo s'engage avec Riga FC, le champion de la Lettonie. Le club letton a officialisé la venue de l'international camerounais le lundi 22 mars 2021. Du côté des Lions Indomptables, hier lundi, c'était le début du rassemblement. Les Lions Indomptables présents déjà au Cameroun ont pris part à la première séance d'entraînement. L'équipe camerounaise sur les deux prochaines rencontres sera aux prises avec le Cap Vert et le Rwanda pour le compte de la 5e et la 6e journée. L'équipe a eu sa première séance hier avec 14 joueurs et malheureusement Choupo-Moting était absent de la liste des 25 joueurs convoqués par l'entraîneur. Pendant que les sélectionneurs ne souhaitaient plus avoir affaire aux joueurs Young Boys ou Hubert, d'où la non-convocation de Jean-Pierre Samé qui a plusieurs fois décliné les convocations qui lui ont été envoyées. Le technicien portugais révèle également que l'attaquant du Bayern a snobé les officiels de la FECAF. Selon Bleach Report, la FECAF a accidentellement envoyé son propre adresse email au lieu de la sienne. Le père du joueur dénonce un manque de professionnalisme de la FECAF. En plus, des joueurs évoluant en France interdits de voyager en raison des mesures strictes de lutte contre le Covid-19 qui y sont appliquées. L'équipe du Cameroun doit également faire sans son capitaine. Une autre information concernant Choupo-Moting, l'UEFA procédait ce vendredi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. La première proposera tout simplement un remake de la dernière édition entre le Bayern Munich et le PSG. Un match forcément très particulier pour le Cameroun et Marcel Choupo-Moting, battu avec le Paris Saint-Germain 1 à 0 en août dernier et qui évoluera désormais dans le camp d'en face contre ses ex-coéquipiers sénégalais Idriss Ngueye et Abdou Diallo. On termine du côté de la CAF où Seydou Bongo Djoya a été célébré hier lundi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Sur Cochon Gratté, rendez-vous une très prochaine fois pour les autres éditions du sport.